Ici la Réunion, t'es maman, nina, toute nation. Oh, l'angaz, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, nina, toute nation. L'angaz, la maille, la fait rayonner. Bon, mon avis en tant que membre du CCE, ça s'est très très bien passé. On est vraiment très très satisfait des échanges qu'il y a pu y avoir ce matin et cet après-midi. J'imagine que tout ça va pouvoir déboucher sur une mise en des énergies, des développements des énergies. En tant qu'individu et créateur du musée des musées de l'océan Indien, d'une part, j'espère que notre message à nous, Association Sarandi, sera relayé par vous. Non seulement nous avons l'intention de poursuivre ces activités muséales, mais les développer par des animations, par des expositions temporaires. Donc voilà, si vous pouvez relayer notre message, j'en serai ravi. Et nous avons toujours envie de faire partager notre amour des musiques et notamment des musiques du monde. Voilà ce que je pouvais rajouter par rapport à ce que vous avez compris de moi, c'est que je suis un passionné de la musique et des musiques du monde en particulier. Merci de votre présence. Laurent. Merci de cette invitation, merci d'avoir pu aussi permettre de travailler un peu en interdisciplinarité. On a déjà fait ça avec Guillaume, mais pas pour le même public, donc il permet aussi d'adapter à nous et puis de diffuser un peu ce que nous fait aussi en termes de travail, de réflexion, etc. Voilà. Bah, il n'y a pas dit tout à l'heure, merci aussi les mondes de la prête à nos images, David Gagneur, Polygonothèque et Bruno Le Berrier pour les archives du port. Voilà, il est important aussi de signaler ça. Et puis peut-être une remarque. Sur la journée, évidemment, extrêmement riche, mais aussi pour les contacts à l'extérieur, on a pas mal discuté. Il y a des problématiques plus ressenties. Il y a une problématique peut-être, il reprend un petit peu les échanges qu'on avait eu avec quelques-uns, sur la discussion pédagogique. C'est-à-dire qu'on a peut-être un besoin, ce qu'a réussi peut-être la langue dans sa militance, et que l'on n'a pas encore sur l'histoire de la musique ou sur l'histoire tout court. Il y a sans doute quelque chose à travailler sur la portée pédagogique, sur les soucis mis à la disposition des enseignants ou des associations de façon globale, qui permettrait d'avoir une diffusion un peu plus forte de ces thématiques-là. Il revient sur les travaux que vous avez déjà fait avant, Jean-Marie Desports, de la série d'études à la liberté. Il mériterait peut-être un renouvellement, un travail similaire qui permettrait de réaborder ces thématiques-là. Voilà. Et puis, dernière remarque. Un remerciement aussi aux politiques qui étaient là, notamment madame. Il dit ça, c'est quand même prêt à la jeune, parce que ma vie dit ça derrière, mais maintenant, elle a dit, dans la tombe au cateau, elle a dit non. C'est rare d'avoir ça, mais m'a été content d'entendre le niveau de discours que vous en avez. Voilà. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir ce niveau de discours-là, souvent. Ben, le monde est là, il envoie dans des représentations comme ça, ben, il n'est pas bien préparé, il vient avec un papier, si tu arrives, vous dites qu'on en parle peut-être trop. Des fois, ce que je dis, c'est une caricature un peu, hein. Voilà, mais tu sais pas trop, quoi, hein. Mais tu comprends, le volet un peu officiel, quand on rentre dedans, un truc comme ça, c'est quand même un peu chiant, hein. Voilà. Et là, non, il faut dire qu'on n'est pas chiant, il faut dire qu'on est bien aussi. Voilà, merci pour la qualité de discours, quelque part, de la donner un ton à la journée qui était nécessaire et qui impliquait aussi notre vision à l'autre dedans. Et ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que l'analyse d'association, de gens qui sont extrêmement investis dans la société civile, tout ça, ça ne peut pas marcher tout seul. Il faut qu'ils filtrent aussi chez les politiques, ça. Et ils trouvent que là, il était quand même quelque chose de notable pour ces questions-là. Merci en tout cas, merci à eux. Et merci à eux aussi. Oui. Je vais être rapide parce que François et Laurent ont un peu résumé aussi ma pensée. Merci déjà pour le CCE, pour cette organisation. Moi j'étais assez agréablement surpris du nombre de personnes présentes pour être appelé assez régulièrement pour faire des conférences. C'est vrai que c'est rare d'avoir l'opportunité.
opportunité comme ça de parler devant autant de gens. Donc ça veut dire que c'est aussi un sujet qui touche, mais c'est aussi la qualité du travail du CCE, réussir à faire venir suffisamment de personnes pour partager quelque chose d'important. Et après, effectivement, moi je vais être un peu redondant par rapport à ce que disait Laurent, mais il me semble ressortir quand même de la matinée l'importance des questions de transmission et des questions de la pédagogie sur tout l'enjeu des cultures régionales et de la langue, de l'histoire locale et tout ça. Je pense que là, il y a quand même une réflexion à avoir sur l'articulation entre les recherches universitaires, le milieu associatif et le secteur institutionnel. Quoi. Je crois que là, il y a un enjeu qui paraît important. Ici la Réunion, on est toute nation. Langage la maillée, la ferrée. Ici la Réunion, t'es maman, on est toute nation. Oh, langage la maillée,